Et bonjour à tous, comment allez-vous? OMG, on se retrouve ici. Tape, ça fonctionne pas, je crois. Ah, tape, ça sert à ça. Alors. Alors, j'ai plus que ça. J'ai pas l'autre quête pour l'instant. Hibou, normalement. Ah, vas-y, non. Alors, Revelio. Revelio. La petite clé. Et tu ou pas? La petite clé. Elle est là. Revelio. Revelio. Action. Ouais, non, ça, hein, ça. De maison. Revelio. This gonna be the only now. C'est trop bien. Attends. Revelio. Tu as commencé. Vous n'êtes pas sérieux? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood? C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. Forcément. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre.
Une autre porcine dans la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec 3 autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir ? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en 5e année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs ? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric ? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok, en vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Okay. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement en cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. Ok. Revelio. Il est temps de montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Nadie vous a envoyé un hippo express, je vous demande de le retrouver à Campolar, en bas du hameau. Si la carte du monde, l'objet de la garde était couvert de brouillard et vous ne pouvez en voir qu'une petite partie. Si le hameau. Du bon marchand. Ok. Faites vos agents, le brouillard et le brouillard et ce. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé Revelio. Un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe. Ok. Ah non, celui-là, il y a pas mal de quêtes là. Quête. Je pense que je vais faire ça en premier. Quelqu'un veut passer chez Pic et Pec avec moi ? Ok. Ok, faut j'explore avec ça. J'imagine que je mange 3. Seulement aux enchaînements de sorts. Autres là, si j'y passe. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie de pouvoir être avec vous. Du coup, elles sont les autres flammes. Thank you.
Revelio. Action. Incendio. Revelio. C'est un gros coffre, il va pouvoir s'ouvrir. Revelio. Lumos. Incendio. T'as joué rien, le coup. Lumos. Ça doit être par là. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. La fameuse salle. Lumos. Revelio. Lumos. Ok. Revelio. C'est bien, je vais lui dire. Oh, il me fait passer. Revelio. Incendio. Ah, fallait mettre le feu. Alors. C'est le 4, lui. Ok. Le rond, le rond, je sais faire. Triangle, c'est le 1. Incendio. Est-ce que lui il sert à quoi ? Le rond c'est le 1. Ah oui, c'est le 1. Mais là-bas c'est 3.
c'est deux. Revelio. Alors c'est bon. 3. 2. C'est là. Oh. Stylé. Oh. Revelio. Tac, en terre. Oh, 41. T'as vu? C'est notre sorcier, Harley. Ta-da-da-da-da. Allez, ok. Qu'est-ce que vous mijotez? Levioso. Action. Revelio. Action. Levioso. Revelio. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. C'est jamais. Lumos. Je sais pas ça va être quoi comme sort, mais ça va être un sort. Attention, futur champion en approche. Bonjour Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action. Incendio. Levioso. Voilà, comme ça. Action. Levioso. Peut-être une prochaine fois. Levioso. Action.
Incendio. Bien joué. Action. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Très bon travail. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux, ajoute Magic. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de Joute Magique ? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire ? Bien sûr. Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui, avec Nati. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. C'est vrai qu'il est rouge avec le sortilège de l'ensemble du monde. Stupéfix. Action. Incendio. Stupéfix. Ce n'est pas le moment de se dégager. Stupéfix. Action. Incendio. Protego. Incendio. Stupéfix. Levioso. Action. Protego. Incendio. Dommage qu'il ne puisse pas y avoir plus de public. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi. Oui, je suis vraiment très fier de moi. Et nous sommes ravis d'avoir un champion aussi modeste. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un plaisir. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Oh. Sur mise à jour. Dommage que ce soit... Tu es invincible, en fait. Peux-tu me rappeler comment fonctionnent les clés du dédale, déjà ? Lorsque tu entends ou repères une clé volante, tu dois la suivre jusqu'à son armoire. J'espère que t'en suivras quelques-unes. Si tu... C'était elle, d'ailleurs. Alors, j'ai gagné quoi ? Il n'a pas fait gagner en fait. Oh la douille. Je l'ai pas reçu. J'ai les attaques en effectuant des roulades. J'imagine que je ne faisais pas le poids. Alors...
On remue dans le sens des aiguilles d'une montre. Revelio. Voyager. C'est une clé, ça. Revelio. Un truc en dessous. Incendio. Openo. Oh, ça fonctionne pas. Revelio. Revelio. Vas-y. Petit cours de botanique. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lenora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Oh, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans votre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Oui. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Accio. Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. Envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo. Oh, ça va être trop bien de réparo. Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Elle a fait exprès, oui. Bien, la tâche Revelio. Consistera à planter du dictum à la table de rempotage. Vous... Je me demande si les hippogriffes aiment les polygonomes. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle.
C'est étrange. Oui, professeur ? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. Je sais, j'ai failli perdre Louis. Bien entendu, le cri d'une mandragore adulte peut être mortel. Alors n'oubliez pas de bien protéger vos oreilles. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré après Olar. Vous les avez trouvées au navet magique ? Merveilleux ! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés ? Excusez-moi, professeur, que dois-je faire avec les graines de dictame ? Ce devoir d'alchimie florale est très simple. Rapportez les graines jusqu'à votre table de rempotage, plantez-les et attendez de pouvoir récolter. D'accord, c'est tout. Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable de la potion Wiganweld, comme vous le savez tous grâce au cours du professeur Char. Ouais, dans 10 minutes. Beau travail ! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiganweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu ? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Ils se trouvent dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts, ils ont les dents pointues. Revelio. Salut. Tu allais après Olar l'autre jour, non ? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Oui. Au fait, beau travail en défense contre les forces du mal. Pardon ? Oh, ton duel contre Sébastien ! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Ah ! Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hécate ne m'avait pas arrêté juste avant. N'a-t-elle pas empêché ce... Nous y sommes, le royaume du chou-mordeur de Chine. Tu vois ce mannequin ? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Les mannequins ne sont pas un chou-mordeur. Mais comment je l'attaque avec un chou-mordeur ? Table. Protego ! Oh, regarde ça ! Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Elle a économisé sur le dégât. Action ! Ils ont détruit Lumos. Ces coquilles klaxonnantes. Incendio ! C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Ouais, pas comme ces stupides bubobules ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. J'imagine qu'ils pourraient avoir une utilité hors de la serre. C'est toujours bien d'avoir des renforts, même si ce sont des choux. C'est le chaos par ici. Il y a même des trolls après Olar. Il faut pas avoir honte de lancer un bon légume si c'est nécessaire. Tu en trouveras plus chez Amanite et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu de choses comme ça. On se voit en classe. Revelio ! Ça me donne envie de jouer, quoi.
de faire que de jouer, de... je fais que d'y penser. C'est trop bien quand tu lances un sort en fait, et... tu sens vraiment que tu lances ton sort. Ça qui est bien. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. T'as vraiment l'impression de lancer ton sort. Et ouais, j'ai pris soin des choux mordeurs de Chine, problème, professeur. Des plantes remarquables, non? Enfin, moi, j'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsure ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. C'est-à-dire les solo players, les jeux solo. En même temps, franchement, ça fait des mois et des mois que il y avait rien eu. Hein. Même les jeux multi, hein, moi je trouve il y a rien qui m'attire en jeu multi en ce moment. Les plantes magiques sont fascinantes. J'ai hâte d'en savoir plus. J'en suis ravie. La botanique est un sujet très riche. Soignez votre jardin et il vous soignera. Bon. Je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. Vas-y, je repasserai. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté. Je trouve que le professeur... Pour entretenir une chose, il faut la comprendre. Ça vaut pour les... Révélio. La gentillesse et la douceur sont aussi cruciales dans la serre que dans la grande salle. Mais si j'attends pas la plante, je vais l'oublier, moi. Je viens la chercher. Super. Ok. Exploration, 1%. Ok. Je pense que le jeu, je vais grave le 100%. Tranquille et tout. Il y a une grande chance en tout cas. En plus, ça arrête le temps quand t'es dans les chats. Non, bah, je suis au début du jeu. Hein. Mais en tout cas, je fais toutes mes quêtes. T'inquiète quoi. Et tu vois là j'ai que des quêtes principales. Puis niveau quête secondaire, bah faut que je trouve des ennemis là. Puis là les clés, ça se fait tout seul. Je sais pas où est-ce qu'on peut voir les niveaux de quête. Quête 16%. T'as mis 6 quêtes du cylindre principal. Après, ouais, je fais. Je sais pas, je fais toutes les quêtes. Je sais pas où est-ce que tu peux voir ça. Bah par là quoi le niveau.
Parce que après j'ai exploré. Je sais plus si ça donne des points ça les. Les machins, j'en ai fait pas mal. Hein. Moi j'ai beaucoup exploré du coup. Je suis tombé sur beaucoup plus de quêtes, je pense. Bon, je préfère attendre pour ma première plante là. Je l'ai oublié dans tous les cas. Donc au moins je prends la première plante et puis après j'en prends une. En tout cas ouais je kiffe le jeu. C'est 30 heures la quête principale je crois. C'est prévu. Combien c'est la quête, toutes les quêtes en tout, finir le jeu et tout. Tellement de trucs à faire, c'est clair. En plus, t'explores et du coup, tu tombes sur une autre quête et tout. T'explores, tu tombes sur une quête. T'avances un peu, tu retombes sur une autre quête et tout. Puis, t'avances, t'as des pages et tout. Je fais que de. Revelio. Je fais que de Revelio perso. J'ai que ça en tête, je vois. Allez là, une minute là. Ah, et puis il est encore. Bon, vas-y. En route pour de nouvelles aventures. En route pour de nouvelles aventures.
Revelio. C'était où? C'est là. Allez. Yo. Quel soulagement de comprendre enfin comment se fait-il. Merde. J'ai voulu mettre mon gros doigt et puis... Revelio. Allez, il ne devrait pas y avoir des aurores ou des gens du ministère pour protéger l'école après ce qui s'est passé après Olar. Le professeur Black ne le permettrait jamais. Il passerait pour un incompétent. Ce qu'il est. Allez, avance. Quit. Revelio. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que cinquième année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Oh, c'est celui qui fait Iron Man, là. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiganweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiganweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiganweld. Ouais, tease up. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Poussouffle. Ouf, souffle. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Ouais, ça va et toi? Le jeu là. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Non, pas de coop. Full solo. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits après Olar, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Putain, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Revelio. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille prendre des ingrédients pour faire une autre potion. Parfait! Génial! Tu sais, c'est une opportunité extraordinaire qui s'offre à toi. Je m'appelle Garrett, d'ailleurs. Garrett Weasley. Une sorte de prodige des potions, si je puis me permettre. C'est un plaisir. Dis-moi, tu es de la même famille que le professeur Weasley? C'est ma tante. Elle me surveille d'un peu trop près, si tu veux mon avis. Mais elle ne peut pas être partout. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire.
Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que j'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une. Vas-y. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. T'inquiète, mec. Revelio. Ben voilà, c'est bon, j'ai tout. Votre potion ne devrait pas avoir cette couleur, Miss McDowell. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion et du russe. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Doit-on hacher le titane ou le broyer ? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Et du russe. Ah ouais, et puis on fait rien. C'est dommage, on pourrait la préparer. Cinq, quatre, trois, deux, un. OMG, il y a trois spectateurs là. Dinguerie. Mauvaise pression. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Rebellion. Bravo, Gret. Oui, monsieur Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor, encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Vas-y, c'est bon, on peut rire, hein. J'ai préparé une potion Edurus, comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Ah, mais quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Ok, mec. Je pense que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. C'est vrai. C'était un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais c'était génial. Merci pour ton aide. J'espère que Sharp n'a pas été trop désagréable quand tu as rendu ta potion. Je l'ai entendu parler dans « Assumer la responsabilité ». Le professeur Sharp était agacé, mais ça s'est arrangé, ne t'en fais pas. Alors tant mieux. Il a dû bien rigoler quand on est parti. Sharp peut sembler bourru, mais je parierais quelques galions qu'il a fait exploser des potions dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Revelio. Ah ouais ? Le professeur Sharp dit que la potion Wiggenweld peut guérir les blessures. J'espère ne jamais en avoir besoin. Oui, il y a un autre là.
inutile. Le professeur Sharp. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Garrett jusqu'à la fin de l'année. Alors, je peux pas faire ça pour l'instant. Vas-y. On va chercher Nat. Comment ne pas aimer. Revelio. Ouais, c'est bon, j'ai tout fait ici. T'allais loin. Map. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a de rien à voir pour l'instant. Il y a sûrement des trucs cachés. Mais... ouais. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Ah, forcément. Je peux rien faire pour l'instant avec les cadenas. OMG, deux spectateurs. Revelio. Je crois qu'il est là. Incendio. Revelio. Je passe par où hein. Je comprends pas. Ah, il veut que je monte, ok. Bon, j'ai plus fait de descendre quand même. Revelio. 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 Qui est parti là, qui se Revelio. Moi je suis passé de 3 à 2. Les vieux sont. Action. Revelio. C'est bon, je descends, je descends. Moi, je trouve qu'il manque un peu de musique. Tout ça entend. Après, je sais pas, c'est parce que j'ai joué à The Witcher avant et du coup, il y a des musiques tout le temps. Mais je trouve que des fois, c'est un peu vide. Revelio.
Ah, merci Taser, je pensais, je savais que je pouvais compter sur toi. Bah après, autant je comprends le fait de pas pouvoir mettre les musiques HP. Mais au moins mettre de la musique, quoi. Genre là, tu vois, je me balade, là, j'ai rien à faire et j'ai pas de musique, quoi. Ça fait un peu chier. Revelio. Action. Levioso. T'as pas de balai? Je l'ai pas encore. Mais Revelio. Je sais pas comment c'est. Mais en tout cas, je l'aurai. Une goutte d'air. Action. Action. C'est quoi le duel? Action. Allô. Levioso. D'accord. Pour moi. Revelio. Je comprendrai. Incendio. D'accord. Lumos. Non. C'est autre ça alors. Mais je sais pas. Je peux avoir la compétence. Ou alors je peux faire comme ça. Action. Incendio. Bah alors. D'accord. Alors, faut peut-être le mettre là. Action. Incendio. Yeah. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Ta 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 ta. Bah voilà. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Action. Incendio. Action. Je pense que c'est ça. Incendio. Je ne sais pas. Revelio. T'as hâte d'avoir un balai parce que ça ira plus vite. C'était quoi ma quête déjà? Faut que j'esquive l'ennemi, ça. J'ai réussi à zaguer de mien, on a fait tourner une roulade. Ah mais je peux faire de roulade. What the fuck? Un qui fend, je veux. Ou pas? Pour l'instant, je peux pas. Qu'est-ce que elle va m'apprendre là?
garçon m'aide ? Bien sûr, madame. Bonjour, je peux t'aider ? Oh, juste au ciel. Oui, je m'appelle Grace Pinch Smedley. Tu sais, des Pinch Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Une voiture sous-marine me tente bien. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux ! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Okay, vas-y. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste ? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles. Mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de basse. Ta famille serait célèbre ? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Juste là. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Revelio. Incendio. Bon, je plonge. L'astrolabe de la famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Mais tu peux plonger, les gars. Je peux le tourner. Vous pouvez gagner aussi. C'est trop là. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Inventaire.
37. J'ai dû rendre. Revelio. Je pose un. Bon, je pousse. Je peux pas utiliser. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Oh oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Ouais. Ah, quel plaisir de te voir ici. J'ai ouais. toujours dit que voyager ouvrait... Revelio. D'abord... Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock... Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour. Je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Attends. Que proposez-vous à la vente? Déjà, je vais me vider. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. J'espère vous revoir bientôt. Tu vas me revoir très bientôt, mec. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la... Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Alors... Non, ça c'est bon, j'ai déjà... J'espère vous revoir bientôt. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpent cendre. Elle vole tout ce qui n'est pas cloué au sol, et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Okay. J'aimerais en savoir plus sur vous. Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre ? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit.
Ce sera tout. Revelio. Petit coffre. L'endroit semble être assez agréable. Ah, je peux entrer. Je cache tout. Bonjour, mesdames. Messieurs. Revelio. La petite question secondaire, là. Revelio. C'est bugué. J'ai l'impression. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre ? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau ? Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière ? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Il se sent invincible. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. D'accord. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient... Revelio ! T'inquiète, je m'en occupe. Ah, quel plaisir de te voir. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Arlo sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts ? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-au-loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls après Olar ? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça, oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Arlo sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Olar. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissée impressionner par Rockwood et Arlo.
Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow. Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. Sois sur tes gardes. C'est tout ? Revelio ! Mais pas juste. Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Est-il inconnu ? Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève ? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupéfait ! Tu n'aurais pas dû... Repose-moi, tout de suite ! J. Quête. Mais c'est réussi, ça a gagné dans le futur, déroulade. Ça ne me plaît pas du tout. Fais le malin! Tu ne tarderas pas! Venir me chercher en personne. Revelio. Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire.
Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Il s'intéresse à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous avez parlé d'une certaine Priya? Oui, c'est mon épouse. Je dois mon intérêt pour Merlin à un livre qu'elle m'avait offert lorsque nous étions élèves. Une pouf-souffle pure et dure, potionniste de génie. Elle a une boutique dans l'allée des Embrumes. C'est une marchande itinérante. Elle sait mieux que moi ce qui se passe dans les Highlands. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service. Historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Si. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Réveillon. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Incendio! Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Comment je la pose? Ok. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Action! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire... Incendio! ...par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Incendio! Réveillon! Il n'y avait pas quelque chose de ça? J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite. En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Parfait. Il reste trois épreuves.
Un portrait de notre salle commune veut te parler. Celui d'Eldritch Diggory. Je crois qu'il était ministre de la magie dans le temps. C'est trop drôle, les gens ils sont enfermés dans les tableaux. Je pensais que c'était celui en bas. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Revelio. Action. Levioso. Action. Incendio. Action. Si, il faut peut-être descendre là. Ouais. Allez, viens. Revelio. Levioso. Action. Ouais, ouais, ouais. Je vais voir si je peux le faire l'autre là-bas. Sinon, je me TP. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Voilà une agréable surprise. C'est clair. Revelio. Action. Revelio. Action. Revelio. Y'a l'autre ? Y'en a moins. Action. Revelio. Merlin lui-même aurait de quoi. Ouais,
statue de Temiguz. Revelio. Revelio. Lumos. Incendio. Incendio. Action. 8 pattes, c'est trop pour moi. J'ai Revelio. C'est reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Action. Revelio. Non, c'est derrière. Action. Revelio. Levioso. Revelio. Action. Incendio. T-shirt. Un loup. Voilà mon épreuve. Il en manque un truc, non? Revelio. Ah, là-bas. Revelio. Revelio. Action. Incendio. Je devrais le ramener vers moi. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Je devrais le ramener vers moi, faire incendio. Et hop. Revelio. Incendio. Protego. Stupéfie. Alors quoi, on a peur de prendre un coup? Stupéfie. Action. Incendio. Stupéfie.
Incendio. Non. Les créatures des Revelio. 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 Incendio. Petit coffre là. Action. Revelio. Action. Levioso. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Levioso. Ces petits écureuils. C'est bien, au moins tu peux regarder les détails. Revelio. Action. Incendio. Protego, incendio. Levioso. Incendio. Revelio. Action. Levioso. Incendio. Action. Levioso. Revelio. Incendio. Action. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Revelio. Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il me dit si on regarde? Entre deux fangieux. Ok.
campement. C'est sûrement ici. Revelio. Et discretos ou... Arne s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. On aurait dû tuer ce traître d'Arne quand on s'est emparé de ses chariots. Action. Incendio. Lumos. Combien êtes-vous? C'est gentil à toi de passer. Revelio. Oui, le cœur d'Armette, un peu infidèle. On dirait des fils. Et voler le cœur. Comment je le vole? Action. Toujours sur la défensive. Je ne m'arrêterai pas avant de tuer. Les vieux sont. Action. Incendio. Assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Revelio. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Oui, c'est possible. Revelio. C'est bon. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arne. Action. Revelio, action. Bien.
encore un autre. Revelio. À quoi ça me sert ça? C'est pour monter là-haut. Action. Revelio. Il me manquait un truc à l'envers. Action. Revelio. Ah là-bas. Action. Revelio. Action. Incendio. Action. Revelio. Il en manque. Revelio. Alors où est-ce qu'il peut être? Non, est-ce qu'il est bugué? Revelio. C'était pas si compliqué. Tes chariots devraient arriver d'ici peu, très cher. Je me demande qui y vit. Revelio. Si vous êtes ici pour... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrok n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Revelio, je vous souhaite le meilleur. Quand mes chariots arriveront, je serai ravi de vous montrer mes marchandises. Voilà. Je prends tout ce dont vous ne voulez pas. Il est toujours bon d'avoir du stock. Ben merci pour la tunasse. C'est gentil de m'avoir rendu visite. Revenez vite me voir. À 36, 33, 35. Pourquoi ne pas faire un petit tour?
Voilà, voilà. Cela vous conviendra parfaitement. Oui. C'est gentil de m'avoir rendu visite. Revenez. Révélio. L'endroit semble être assez agréable. Ok. Alors. Petite quête là. J'étais au bord de l'effort, j'avais fort de mal. Pour la journée. Encore what? Petit cours de défense là. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Ah, si je suis là. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus. Professeur, auriez-vous un moment ? Oui ? Qu'y a-t-il ? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fier de représenter la maison Serdaigle. Pourquoi cette question ? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises. Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. Par le temps ? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien ! J'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Action ! Expelliarmus ! Vous avez l'air de progresser, mais continuez... Incendio ! Expelliarmus, vous sauvez la vie un jour.
Action. Expelliarmus. Vous travaillez encore, à ce que je vois. Incendio. Levioso. Action. Expelliarmus. Ok. Une quête sainte. C'est possible de devenir Ovar si on n'excelle pas en potion. Moi je pense que c'est possible. Tout est question de. Revelio. Ça change un peu. Hop, attention. En route pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu? D'accord, c'est parti. Fantastique! Le plateau d'attraction, un jeu en constante évolution. Action! Oh, c'est de la triche, là. Essaie de battre ça. Action. C'était un coup magistral. Action. Ah. On le veut. Je vais faire venir. Tout est dans le poignet. Ah, juste un coup de chance. Action. Ils sont pas jaloux. Bon, là, par contre. Ce n'est rien du tout. Faut quand même que je marque un peu de points. Action. Tech. 20. Bien joué. Tu m'as battu. Facile. C'était un coup de chance, voilà tout. Ce n'était pas de la chance, j'ai plus de talent que toi. Très bien, d'accord. Tu as raison, tu te débrouilles mieux que moi. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres? J'ai perdu 7 manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ne baisse pas les bras. Continue de t'entraîner et tu t'amélioreras. Tu as sûrement raison, oui. Je vais dire aux autres que tu as passé l'épreuve. Et que tu l'as réussi. Non. Ok. Alors là, il y a tout. Tout. Je regarde si j'ai tout le TP. Mais pas tout. Même s'il n'y a pas tout, bah je le ferai après. Revelio.
Expelliarmus. Revelio. Revelio. Voilà. Tu fous de ma gueule? Tu fous de moi? Ma mère adorait. Ah, je peux pas pour l'instant. Donc si je peux monter par là. Revelio. Ok. Infirmerie. Je pense que j'irai à l'infirmerie quand je serai blessé, non ? Garrett Wesley. Revelio. On a toujours un petit coffre. Il n'y a plus de... une chemine. C'était pas une chemine. Ah non. Ah, il y en a une là. Attends, je reviens. J'aimerais pouvoir m'offrir un balai. Revelio. Il y a les règles. Je pense qu'ils se ressemblent. J'ai toujours dit que voyager ouvrait les... Incendio. Revelio. C'est quoi? Il fait big. Whistler.
trop bien, on s'amuse. Revelio. C'est fou. Comme ça. Je suis passé, je l'ai fait. Puis... Il y avait rien. Garrett, tu m'as appelé ? Oui. Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends ? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbees. Mais il me manque un ingrédient clé. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbees, ce sont les dards de Billywig séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honeduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeduc et me récupérer des dards de Billywig séchés. Bien sûr, on a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir qu'il n'est pas très rapide. Il est surtout intéressant pour son côté secret. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Dissendium ». Tu me demandes de voler dans une boutique ? Juste ciel ! Je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Honeduc en a déjà bien assez, il m'en faut juste quelques-uns. C'est un ingrédient de confiserie. Ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un t'acheter des dards de Billywig séchés ? Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Je vais voir ce que je peux faire, Garrett. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Ouais. Je dois rapporter ces dards de Billywig séchés à Garrett pour qu'il puisse finir sa dernière concoction. Revelio. Une statue de sorcière avec un sabre, facile à trouver. Ouais, c'est ça. Ça va être facile. Du troisième étage. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà ? Duncan te doit sa réputation. Dissendium. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici ? Revelio. Revelio. Un monte-charge. Je peux descendre par là, mais... Non, c'est... Action. Levioso. Revelio. Je peux sauter ? Non. De charge. Je peux descendre par là, mais il a l'air cassé. Action. Expelliarmus. Incendio. J'ai rien pour ça. Reparo. Reparo. Je dois réparer l'ascenseur avant de pouvoir l'utiliser. Revelio. On dirait que ça a marché. Ça va être trop bien. Ça doit être trop bien là-dessus. Alors. Si un peu. Hein. Que je joue.
Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Revelio. Vous savez qu'il y a encore de la lumière. Incendio. Revelio. Je suis coincé. Comment je vais sortir d'ici? Levioso. Ah, mais il y avait un truc là-bas. Revelio. Incendio. Revelio. Ok. Je dois trouver un moyen de traverser. Levioso. Revelio. Reparo. Levioso. Je vais voir la bonne. Revelio. Revelio. Incendio. Aussi ou pas. Reparo. Encore un et je pourrais traverser. Action. Revelio. Action. Voilà. Ah non, c'est... Levioso. Quelque chose bloque cette plateforme. Action. Levioso. Ça a fonctionné. Mais non, mais pourquoi il y a ce bloc? Il y a ce bloc de l'eau en dessous. Ou malheureusement, parce que du coup il n'aurait pas sauté. Ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Honeduc. Revelio. C'est bon, je te promets. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. Revelio. Honeduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywig séchés pour Garrett? J'ai les dards de Billywig séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett.
Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Revelio. Revelio. Je me demande. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. Regarde-le. Allez. Pourquoi m'en avoir acheté une deuxième paire? Je hais ces chaussettes. Des chaussettes à sprit, c'est une affaire. Sois reconnaissant d'avoir quelque chose au pied. Je préfère ne pas emporter que d'avoir celle-ci au pied. J'aimerais bien te voir aller à l'école pieds nus. Papa, pourquoi il danse? Tu vois, tu disais que le sortilège s'estomperait au lavage, mais c'était faux. Mais tu exagères tout, exactement comme ton père. On vous croirait fous tous les deux. C'est un maléfice. Oh, on pourrait pas rapporter ces chaussettes à Monsieur Hill et en acheter des normales. Quand tu paieras toi-même tes chaussettes, là, tu pourras choisir. En attendant, tu feras avec ce qu'on te donne. Et tiens-toi bien. Je ne veux pas de scandale. Papa, c'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un objet en le lavant ? Ne sois pas ridicule. Cette femme dirait n'importe quoi pour éviter de dépenser une noise. C'est trop drôle. Seul un crétin en cœur poilu en fait. Bonjour. Entrez donc. N'hésitez pas. Bonjour. Entrez donc. 37. Demandez si vous avez besoin de quelque chose. Balles. Pour l'instant, j'ai besoin de rien. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai un œil pour la mode. Ouais, je peux pas y aller pour l'instant aussi. Bonjour, Gareth. J'ai les dards de Billywig séchés. Tu les as trouvés ? Incroyable. Ravi de t'avoir aidé. Tiens. C'est génial ! J'ai hâte de commencer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with Beer. Fizz with Beer. Revelio. Mmh.
fantastique. Je sais pas où je me suis rendu, je regarde. Revelio. T'as un coffre là. Incendio. J. Je suis 9 sur 16, ok. Carte du monde. Voir les autres quêtes là. Revelio. Ok, Jingo. Vous vouliez me voir, monsieur ? En effet. Permettez-moi de me présenter. Peu d'élèves savent qui je suis désormais. Eldritch Diggory, ancien ministre de la magie et fondateur du programme de recrutement des Aurores. Enchanté. Je pense que vous pourriez nous aider à résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies grâce au livre que vous avez trouvé et à ses pages manquantes. Comment savez-vous pour le livre et pour les pages ? Nous autres, portraits, entendons bien des choses et la plupart d'entre nous savent garder un secret. Alors, qu'en dites-vous ? Un pouf souffle doit se sentir le devoir de corriger une injustice qui perdure depuis si longtemps. Je ferai tout mon possible. Merveilleux! Je suis ravi de ne m'être pas trompé à votre sujet. Ma petite nièce, Hélène Thistlewood, vous fournira tous les détails. Elle est désormais retraitée, mais c'était une incroyable aurore de son temps. Elle était d'ailleurs chargée de ce meurtre non élucidé. Je rends souvent visite à mon portrait chez elle, dans le petit hameau de Campolar en haut. Dois-je lui annoncer votre venue? Quand étiez-vous ministre de la magie? Il y a plus d'un siècle! De 1733 à 1747, pour être plus précis, je pourrais vous en raconter des histoires, mais j'ai malheureusement manqué de temps. J'avais pour tâche de réformer Azkaban quand la Draconcelle m'a brutalement emporté. J'ai craché des étincelles jusqu'à la fin. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre petite nièce ? C'est la crème des Aurores. Après une scolarité exemplaire ici, elle est devenue une employée modèle du ministère. Et elle n'a pas perdu cette étincelle lorsqu'elle a pris sa retraite. Elle et moi discutons souvent d'anciennes affaires et de nos jours de gloire. Ne le prenez pas mal, mais c'est agréable de pouvoir s'éloigner des élèves et discuter avec quelqu'un qui connaît mon histoire. Comment des pages de livres pourraient l'aider à résoudre une vieille affaire ? Un jeune garçon a disparu avec ses pages, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Une jeune fille a cependant été condamnée pour son meurtre. Ces pages pourraient peut-être l'innocenter. Ma petite nièce vous en dira plus. Je vais aller la voir tout de suite. Superbe. Votre persévérance, alliée à sa vivacité d'esprit, sauront lever le voile sur ces deux mystères. J'en suis persuadé. Je vous retrouverai là-bas. Très vite, je l'espère. Et ben allons-y. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Revelio ! Nous pouvons
pages qui volent, non? Action! Revelio! Je peux rentrer dedans? Lumos. Ça va être en bas sur le chemin. Okay. Incendio. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Et quoi de droite, là? C'est calme. Trop calme, je trouve. Action. Incendio. Prosecco. Typique. Action. Quelle arrogance. Action. Incendio. Revelio. C'est entièrement la faute de Ranrock. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Revelio. On va peut-être pas tomber. Incendio. Revelio. Revelio. Et voilà, résolu. J'ai sûr de la magie ancienne terminée différemment, mais il y a besoin d'autre chose, la magie ancienne. C'est le moment. Je vais ça. Revelio. Salut mec. Bonjour. Que proposez-vous à la vente? Oui, bien sûr. Mais ne devriez-vous pas être à Poudlard? Vous avez perdu votre chemin? J'explore un peu la région, c'est tout. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock. Et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiganweld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Qu'en pensez-vous, mon enfant? Vous en voulez quelques-unes, au cas où? J'y réfléchirai. Merci pour votre aide, monsieur Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Très bien, monsieur Babcock. Qu'avez-vous en vente? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut.
Merci pour votre confiance. J'ai pas remis mon phone, là je préfère en prendre. J'espère pouvoir à nouveau faire affaire avec vous. C'était un plaisir. Je sais pas ça. Je peux faire ça aussi, ok. Moi j'aime bien. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Je savais pas. Ah, je pouvais c'était un plaisir. C'était un plaisir. Un château. Il devait être... Revelio. J'aime trop couper les paroles. Je suis pas exprès. J'aimerais avoir un poste confortable à Gringotts. À rester assis toute la journée. Même si... Expelliarmus. Y a quelqu'un? C'est stupéfiant. Ah ok. Attends, donc t'es là. Ah,
de force. Stupéfix. Incendio. Protego. Stupéfix. Je ne m'arrêterai pas. Revelio. Bien vu. Ah, je crois qu'ils ont bloqué. Action. Incendio. Expelliarmus. Action. C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Et dégueulasse, qui plus est. Revelio. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Incendio. Revelio. Putain, je savais pas qu'on pouvait changer notre apparence et que genre ça devrait pouvait ressembler à ça. Quoi. Incendio. Ah, je dois peut-être passer par là. Revelio. Revelio. Je peux pas passer là. Action. Incendio. Oh. Non, mais je peux pas le faire ça. Levioso. Je sais pas ce qu'il faut. Dommage. Revelio. Si je peux passer derrière, je pense pas. De toute façon, je peux pas faire. Tu peux faire ça ? Non. Revelio. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Expelliarmus, incendio. Levioso. Ok, je pense qu'il faut leur tirer un truc. Ça sera plus tard pour une potion, je pense. Revelio. Comment ça va? Incendio. T'imagines? Pardon. Et donc là c'est l'entrée.
Et du coup, est-ce que ça change? Est-ce que ça change mon apparence après? 59. Oh. Bon niveau. Niveau 18. Revelio. Ça doit être l'endroit mentionné par le ministre d'Igori. Hélène doit vivre quelque part par là. On prend le TP d'abord. On dirait que ce lieu... Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont ? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt, en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines, avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti ? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer. Ou pire. Pourquoi Bardolph voudrait-il se mêler des affaires des Serpents Cendres ? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Ranrock. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Ok. Ça va. Revelio. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Action. Zephyri, on sera décrit à l'aide de sort de feu. Qui en oublie un de notre attaque. Incendio. Expelliarmus. Action. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Action. Incendio. Action. Incendio. J'en dois. On doit bien mort. Revelio. Revelio. Ah ouais, un truc là. Et qui a-t-il? Je sais pas. Incendio. Est-ce que je peux... Revelio. Reparo. Non, ok. Je sais pas encore. Action.
Incendio. Revelio. Il y a encore là-haut. Action. Incendio. Protego. Stupéfice. Incendio. Action. Incendio. Fini de toi. Stupéfix. Action. Incendio. Stupéfix. Stupéfix. Revelio. Merci d'avoir suivi. Puis moi, je vous dis à cet après-midi. On se retrouve tout à l'heure. Ciao, bye bye, bonne app.